Louange est à Allah et que Allah élève davantage les degrés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sourate Al-An'am, ayah numéro 86, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Allah a accordé à chacun des prophètes un degré plus élevé que toutes les autres créatures. » Les prophètes sont les meilleurs des créatures de Allah Ta'ala, l'élite de l'humanité. Allah Ta'ala les a envoyés pour transmettre aux gens ce qui leur est profitable dans leur religion et leur vie d'ici-bas. Ils sont caractérisés par de bons comportements et des attributs louables. Parmi leurs bons comportements, il y a le fait qu'ils sont tous véridiques, extrêmement intelligents, honnêtes, caractérisés par la chasteté et le courage. Il n'y a eu personne parmi les prophètes qui était menteur ou stupide. Il n'y a pas eu parmi eux quelqu'un qui ait trahi la confiance, ni quelqu'un qui ait été vilain ou lâche. Les prophètes ne sont pas atteints de maladies répugnantes comme l'éruption de ver de leur corps ou ce qui est du même ordre, et ils ne sont pas atteints de folie. Les prophètes, alayhimus salat wa salam, sont caractérisés par la véracité, il leur est donc impossible le mensonge. Ils sont caractérisés par l'extrême intelligence, il leur est donc impossible l'idiotie et la stupidité. Ils sont caractérisés par l'honnêteté, il leur est donc impossible la trahison. Ils sont caractérisés par la chasteté, il leur est donc impossible les petits péchés de bassesse et la vulgarité. Ils sont aussi caractérisés par le courage, il leur est donc impossible la lâcheté. Je finis en demandant à Allah Ta'ala qu'il nous augmente en connaissance et que nous soyons parmi les gens du paradis et de la félicité, que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine.